Qu'est-ce qui conditionne la réussite? La capacité à soutenir un effort continu. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Ce n'est pas l'employeur qui paye les salaires, mais le client. La plus haute finalité de la richesse n'est pas de faire de l'argent, mais de faire que l'argent améliore la vie. Ne cherchez pas la faute, cherchez le remède. Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise: sa réputation et ses hommes. Avoir fait plus pour le monde que le monde n'a fait pour vous, c'est ça le succès. Les obstacles sont ces choses que vous voyez lorsque vous perdez l'objectif de vue. Réfléchir est la chose la plus difficile qui soit. C'est probablement la raison pour laquelle si peu s'y risquent. Que vous pensiez pouvoir accomplir une tâche ou ne pas pouvoir l'accomplir, vous avez dans les deux cas raison. Le premier but de ces financiers est le contrôle du monde par la création de dettes inextinguibles. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Une poignée d'hommes parvient à s'enrichir simplement en prêtant attention aux détails que la plupart des gens négligent. Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. La démocratie dont je suis partisan, c'est celle qui donne à tous les mêmes chances de réussite, selon la capacité de chacun. Celle que je repousse, c'est celle qui prétend remettre au nombre l'autorité qui revient au mérite. Les obstacles sont ces choses épouvantables que vous pouvez voir quand vous détournez les yeux de vos objectifs. Un idéaliste est une personne qui aide les autres à prospérer. La démocratie dont je suis partisan, c'est celle qui donne à tous les mêmes chances de réussite, et ensuite à chacun selon sa capacité. L'enthousiasme est à la base de tout progrès. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. La négation de l'idée industrielle est la spéculation.
les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur pour la Ford T, du moment que c'est noir.